Bonjour encore à tous les passionnés des avocatiers greffiers. Je reviens encore aujourd'hui vers vous après un coup dur, je dis vraiment un coup très dur. Nous sommes exactement au mois de mars et c'est au mois de mars que un acheteur de porc avec la complicité d'un stagiaire arrive dans la ferme et détourne tous mes trois hommes de terrain. Et trois hommes de terrain à mon absence. C'est-à-dire, je dois aller pour un contrat de travail, planter les avocatiers d'un monsieur. Je paye mes ouvriers, je les mets à l'aise, je les donne à manger, je mets la ration. Ok, restez planter ce maïs, voilà. Voilà comment vous devez faire. Et puis je pars. Juste après moi, eux aussi partent. Et aussi, déjà, je demande aussi les excuses à ceux qui me confient leur projet et que peut-être le retard, j'accuse un retard parce que vous imaginez, avec le retour des pluies, il y a peut-être une cinquantaine, une centaine de projets que nous avons signé des contrats pour le faire. Et c'est exactement en cette même période que nous perdons près de trois ouvriers. Ça peut faire qu'on quitte la ville, c'est comme un jeu. Donc, et on ne peut pas le faire parce que je ne peux pas avoir d'AVC aujourd'hui. Si je pouvais l'avoir, j'aurais eu depuis parce que ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Ça, c'est au moins la septième fois que des gars viennent me vider mes ouvriers comme un jeu. C'est-à-dire, tu travailles avec un ouvrier, tu le payes, il ne se plaint pas. Un parvenu, je ne sais quoi dire, arrive là et propose... je vais te payer 200 000 francs le mois. Mais Samy, vous payez 80 000, vous payez 70 000, c'est rien. Je peux vous payer le double. Abandonnez ça et puis vous venez. Donc, en tant qu'entrepreneur, ce sont des termes qui ne sont pas bien. Bref, qui tue pas l'épée mourra pas l'épée. Donc, vous voyez, je suis obligé de prendre la machette pour entrer au champ. Et pourtant, j'avais des ouvriers qui faisaient cette tâche. Quand on est entrepreneur, à un moment donné, on doit comprendre cela, qu'il peut arriver que votre ouvrier, votre homme de terrain, il décide de ne plus travailler avec vous. À la période où il y a plus de travail, vous n'allez pas fuir le travail, vous n'allez pas dire l'entrepreneuriat, j'abandonne. Non, c'est l'occasion pour vous de retrousser les manches. Quand j'entre au champ, je vois la variété Taylor qui a porté assez de fruits comme ça. Ça me galvanise un peu. Je travaille dur. Quand j'arrive, j'évolue là. Je vois la variété Hickson qui a porté autant de fruits. Ça me galvanise. Donc, à ceux dont nous n'avons pas encore exécuté leur projet à temps, ils doivent juste comprendre qu'à un moment donné, lorsque on engage plusieurs tâches et on n'a pas avec qui travailler, ça devient très difficile. Je dirais, mes frères, mes amis camerounais, eux, ils ne peuvent pas se plaindre qu'ils n'ont pas le travail. Le travail est là. C'est les uns et les autres qui ne veulent pas travailler. Vous imaginez un jeune de 22 ans, 18 ans, je les paye 80 000 le mois, ils sont logés, ils sont nourris et ils sont au niveau du village. Et maintenant, il y a des motivations que nous faisons à chaque moment. Et des farfelus, des parvenus arrivent là et proposent des salaires de 200 000. Je ne sais pas si c'est toujours le même port que nous élevons là, ou c'est toujours le même champ que nous travaillons là, qu'il faut payer 200 000 francs à un ouvrier. Moi, j'ai été ouvrier. Juste après mon diplôme d'ingénieur agronome, j'ai travaillé comme ouvrier pour un salaire de 70 000, 50 000 et je le faisais très bien. Et d'ailleurs même, ce promoteur que j'ai eu à travailler pour lui, mes premières années après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, il ne peut pas aujourd'hui me lâcher. Il est toujours tout près de moi comme mon parrain parce qu'il connaît ma force de frappe. Parce qu'il sait très bien que je ne suis pas là juste pour courir derrière l'argent, mais je suis là pour faire grandir l'entreprise. Quand j'engage travailler avec un promoteur, c'est faire grandir l'entreprise. Mais de nos jours, beaucoup de jeunes ne comprennent ça. Beaucoup de jeunes savent que, ok,
on est en train de chercher l'argent de tel. Et avec la complicité des frères, des frères consanguins, mais vous travaillez trop pour ces messieurs-là. Et avec la complicité des voisins et autres, mais ces messieurs vous donnent même quoi? Ces messieurs vous font trop travailler. Lorsque j'engage des jeunes pour travailler, juste la formation qu'ils reçoivent chez moi, c'est une formation à vie. Quand un jeune connaît greffer les avocatiers, il peut déjà créer une pépinière et il devient millionnaire comme un jeu. Tous les ouvriers qui sont chez moi ont eu cette formation. Malheureusement, ils sont partis. Et ils partent pour aller rester en brousse, là où on ne parle même pas de griffage. Donc vous voyez, c'est vraiment une perte énorme. Au moins, quand nous voyons des fruits comme ça, ça nous galvanise à travailler davantage sans relâche.